Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire un poisson japonais en origami. Pour commencer, vous prenez votre feuille à papier origami, vous la pliez en diagonale, comme ça. Vous refermez les pointes gauche et droite vers le centre, comme ça. Et comme ça. Ensuite, vous repliez ces deux pointes sur le haut de la figure. Comme ça. Et comme ça. Ici, il y a toujours du papier qui pend. Après, vous pliez dans ce sens-là et dans ce sens-là. Donc, c'est aussi pour faire un chapeau, mais pour faire un poisson, il faut aller un peu plus loin. Ensuite, vous rabattez vers le haut ce bout de papier-là, comme ça. Vous rabattez encore une fois. Voilà. Vous retournez la figure et vous pliez le reste vers le haut. Voilà. Quand vous avez cette figure, c'est-à-dire un chapeau, vous pliez, vous ouvrez le chapeau et vous rabattez les deux pointes l'une sur l'autre. Comme ça. Voilà. Ensuite, vous devez découper avec des ciseaux cette partie-là jusqu'à à peu près ici. Comme ça. De l'autre côté aussi. Voilà. Encore un petit peu. Voilà. Maintenant, vous pliez la partie que vous n'avez pas découpée, comme ça, vous tenez et vous ouvrez. Vous fermez bien. Et voilà. Donc là, on voit la bouche, les yeux et la queue. Maintenant, vous pouvez juste un petit peu plier vers le bas cette partie-là, de ce côté-là et de l'autre côté. Et voilà. Maintenant, vous savez faire comment faire un poisson japonais en origami. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.